Il a dit juste qu'à notre état de vieillesse, il nous abandonnera
regarder sans pour autant t'abandonner. C'est ce qui nous rassure effectivement que nous sommes des vainqueurs. Parce que car c'est lui qui nous garde, qui nous protège, c'est un vainqueur. C'est lui qui nous protège véritablement. Même notre cœur est persuadé qu'il nous avait promis qu'il ne nous abandonnera pas. Même ton cœur doit trouver son secours à lui. Fais toujours cet exercice dans ta vie. Pose-toi la question chaque jour. Quand est-ce que je puis converser avec Dieu? Tu vois, quand chaque fois tu t'accroches à une seule chose, tu la connaîtras effectivement en profondeur. Également, quand tu te raccroches aux choses de Dieu abondamment, tu connaîtras Dieu aussi dans les profondeurs. Même ton langage sera le langage de Dieu. Une fois que tu parleras, les gens seront édifiés, tu ne fourniras pas trop d'efforts. Voilà pourquoi il faut que tu t'exerces à cela. Prends un autre temps, tu te réveilles par exemple le matin. Programme culte matinal, les arabes, comme à l'église, il y a le programme de la dévotion matinale, tu viens, tu écoutes la parole. Au sacrifier le macan sous. Tu fais d'abord le sacrifice de certaines occupations dans ta vie. On ne sert jamais Dieu seulement quand je n'ai pas d'occupation. Aujourd'hui, je n'ai pas à faire. Alors, je dis encouragement à l'église là. Non. Servir Dieu, ça demande le sacrifice. Donc, vraiment tu as quelque chose à faire. Mais on sacrifie. Mais tu l'as sacrifié. Et ça va comment on veut sacrifier. C'est alors que Dieu verra qu'en tout cas tu es venu me servir. Par exemple, Zoteka. Par exemple, tu es en train de vendre. Nous avons commis 15h. Il est arrivé déjà 15h. Qui est désormais à 15h30. Et le culte commence à 15h30. Mais Zoteka qui pétait. Et donc tu n'as même non plus vendu. Mais ma client va y aller à 15h. Mais tes clients seulement à 15h30. Nombreux devant toi. Et donc, à quoi ça, là, la chose à faire, ok, ne peux pas, maman, la zone est capable de me dire. Allez-y d'abord chez ma voisine là qui va aussi comme moi. Moi, pour moi, je ferme les marchandises et je pars au culte. Nous allons voir si le Seigneur va te laisser la famille. Oui, merci. On irait pousser vraiment par le zombie. Tu repousses vraiment les clients. Mais au qui il faut adorer. Mais tu peux adorer. Et c'est ça, pas pour aucun message. Dieu va t'étonner. Va te surprendre. Aza capable de couper ça et bon pour les carreaux. Après qu'il. Il est capable de t'accorder de l'argent qui doit dépasser plutôt les clients qui devaient te payer la marchandise avant les cultes. Au moins, qu'il je peux transférer un téléphone. Tu vois l'équipe qui dit comme ça, on t'envoie de l'argent dans ton téléphone. Tu es grand. Ah. Il faut t'y la première position. Il faut les placer toujours dans la première position. Il y a remis de l'huile. Et tes délices. Ah. Donc, au salier, au éternel, au tout le monde, au réalité qui tout couvert. Tu prends l'éternel, tu le fais comme une chose de précieux. Donc il y a donc une chose immesurable. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ah. C'est ça le grand secret à Makamazam. C'est comme ça que se font les secrets de Dieu, des choses de Dieu.
Tu peux claquer tes marchandises et dire qu'aujourd'hui, je ne sortirai pas de la maison. Je ne vais pas prendre tant qu'aujourd'hui, j'ai un programme de conversation avec mon Dieu. Donc cela ne veut pas dire que tu as de l'argent à la maison, non? Mais j'ai besoin de parler, de converser avec Dieu. Et même aujourd'hui, je ne recevrai pas de visiteurs à la maison, car j'ai un visiteur spécial. On s'est concentré dans la prière journée, mon Dieu. Tu te concentres dans la prière toute la journée. Tu fais de la présentation, tu lis la Bible, et même tu pries. Nous allons voir ce qui va t'abandonner. Et ça, quand ça met valeur à honorer. Donne de la valeur à Dieu et il finira par t'honorer. C'est par ce chemin-là que tu verras même les mauvais désirs de la chair partiront. Tu verras l'impudicité très sale. Tu verras que l'impudicité n'a aucun rôle dans ta vie. Tu verras être chaque fois en colère contre les gens sans importance. Tu verras la haine contre les autres pas partir. Mais même le pardon va s'installer. Parce que tu prends le temps de parler beaucoup plus avec celui qui est le pardon, qui est grâce et même la sainteté. C'est comme ça que la personne est délivrée. Prends beaucoup de temps de parler avec Dieu. N'essaie pas Dieu parce que tu es libre. Je ne fais que répéter la même chose. Parce que tu es libre. Quand je suis encore étudiant, professeur, un professeur réputé vraiment sa nature, il était occupé à ses occupations. Il a programmé son cours dans l'horaire, c'était toujours à 15h30. Et puis ce professeur a été très dur. Vraiment, si tu échoues dans son cours, tu vas échouer. Moi aussi, j'ai des programmes de l'œuvre que tu as cette heure-là. Il faut privilégier classe mandat ou bien Moussalaza. Maintenant, il fallait que je privilégie d'abord l'œuvre de Dieu ou bien mes études. La Zouib, c'est un professeur Wana Kobanabata Kournaï. Je t'ai dit que depuis que le professeur avait débuté son cours là, jusqu'à ce qu'il a fini les cours, on ne s'est pas encore vu comme ça pour étudier son cours dans l'auditoire. Donc, ils en ont un qui est dans. Parce qu'ils ont tombé. Le jour du cours de ces professeurs, là, c'est pas au jour où nous avons culte. Mardi. Les mardis. Jeudi. J'ai dit non. Tu dois avoir. On ne s'est pas rencontré avec lui dans la salle entre les deux. Professeur d'aviation. C'était un professeur de la circulation aérienne. D'un cours de la circulation aérienne. Parce que dans mon tombeau qui a manqué, parce que dans la folie du monde, nous avions fait la faculté d'aviation. Et ça dit ce qu'il y a côté là, avant côté, la synamima qui n'a pas quitté. Nous sommes dans la quitte dans ce qui. Avant que le professeur me rentre, moi je me suis déjà bien préparé pour partir. Alors j'étais très content. Bah, nous avons étudiant, comment dire, on nous bat.
Et mes amis étudiants, mes collègues disaient, ce qui m'est si on est qui m'a cours, si par exemple tu voudrais fuir les cours, on va dire ce qui fait de mon compte. Ils ont créé un langage. Aujourd'hui je fais les diables. Aujourd'hui je fais les diables, le système des diables. Donc voilà, on voit le baguette étudiant, là, où il y a un petit professeur au bout. Et comment qu'il fait? Je vous dis, là, ça veut dire ça, étudiant. Là, ça veut dire, quand quelqu'un dit qu'aujourd'hui j'ai fait le système des diables, donc quelqu'un ne vient pas au cours. Et comme il paie l'heure d'examen. Et c'est venu l'heure de l'examen. Maintenant, l'examen, première question à éviter. Du coup, maintenant, les professeurs, là, quand je regarde une question comme ça, deuxième question, jusqu'à la cinquième question, rien dans la tête. Dans une papier, dans la tête. J'ai pris seulement des papiers. Pierre, comme ça, fait à prion. De fait, de prion. J'ai commencé à louer Dieu à l'éloignement. Dieu, tu es comme aux habitants. Tu es la tonne qui s'enseigne, tu fais une autre appareil. Je n'en prie, c'est que fait des prions, en toujours de louer Dieu. Alors, l'examen, c'est là qui passe. Alors l'examen était tellement difficile à répondre que toute la salle était capable de répondre aux questions. Ils ont dit, moi t'as qui a la bonne à son travail, casse. Mes collègues disaient maintenant que regardez qui a la naïve, il travaille là. Très concentré. C'est quoi très concentré en train de louer Dieu? Toi ça m'a dit bien à Amélie Kota. Quelqu'un qui est à mes côtés là a tenté de regarder ce qu'on a fait ici. Il a pris justement la tête. Il a informé ses amis que ce monsieur-là, là où il travaille, il ne fait écrire les choses de Dieu là-bas. Ah, ouais, on va concentrer là-bas, papa. Non, non, moi, je suis très concentré à notre fête de prière. Mon thème, c'est que t'as la joie. Maintenant, surveillant, voilà. Non, les surveillants. Alors, dit le col à raison, examen, il faut quand même la facilité. Il faut que professeur ne nous a demandé. Comme c'est l'examen, je dois vous faciliter car vous connaissez bien l'attitude du professeur. Sinon, vous consacrez comme un ingénieur. Ou soit vous manquerez de devenir des ingénieurs. Alors, maintenant, la permettre de nous aux autres syllabistes, mais vous trichez. Alors, je vous permets de tricher avec ces syllabistes. Surveillant, pas au surveillant, pour ne pas au surveillant, professeur. Les surveillants, au lieu de surveiller les étudiants, ils commencent à surveiller les professeurs maintenant. Alors, nous sommes aux autres syllabistes. Nous sommes là-bas, mouvementés, syllabistes. Moi, j'étais très concentré. Loin de lui. Le bébé, il n'a pas ici la bus. Celui qui est à mes côtés, la ouvre. Il dit qui a la copie. Il me dit qui a la copie ici. Je ne le connais pas. Je ne peux pas copier. Pour ce qui est la copie, ce qui est une classe à côté. Parce que si j'étais copié avec des tricheries là, et que je sortais dehors, qu'est-ce que je vais prêcher? Mais dans ça, il est si même. Jésus n'a pas valeur. Je vais réduire la valeur de mon Jésus. À côté, comment? Comment je pense bien prêcher de ce Jésus-là? Même si dans mon commentaire, comment l'éviter dans mon commentaire? Je lui ai dit que vraiment, je ne peux pas copier des choses là, des tichés. Ah, mais avec ce million, pour ça, un diplôme d'ingénieur. Ah, mes amis tous disaient que toi, tu vas manquer le diplôme d'ingénieur. Je leur ai dit, moi, je vais louer Dieu. La zone qui s'en fait, il n'a pas fini. Lui, au saut. J'avais retourné ma veille vide sans aucune réponse. Du premier au cinquième question. À la cinquième question. Finaliste, force, on complète tous les diplômes, on va parler, on va foutre pas bon. Mes amis, mes conseils, que toi, tu es finaliste vraiment. Tu ne regrettes même pas les dépenses des parents. Il faut réussir pour que les parents ne puissent pas regretter de leur sort. Je leur ai dit que moi, je ne connais pas de réponse. Maintenant, je suis allé m'incliner dans la prière. J'ai dit à Dieu, selon les hommes, le corps n'a pas ça dans cours, n'a pas qui m'a payé. Donc, d'après les hommes, comme j'ai manqué les cours, j'avais fait très mal. Seigneur, pardonne-moi pour la cour. Pardonne-moi d'abord le fait que j'ai manqué les cours. Selon les hommes, d'après les hommes. Oui. Alors, ça l'a dit. Alors, fais des sortes pour que je réussisse. Résultat est fini. Et le résultat est sorti. Tout le monde sans exception rouge. Dans la prendre le résultat. Le
quand j'ai appris ces résultats, je me suis senti donc moi je n'avais pas touché ce qu'il fait vite. Moi j'avais donné mon fait vite. Rouge. Et moi aussi rouge. Maintenant la délibération de mon professeur Basarani. Maintenant à la délibération quand il y avait les mêmes professeurs. Ah, ici, professeur. Ils ont dit au professeur. Tourne en tout cas. C'est tout vraiment. On dit qu'Abana va échouer Basarani. Tu ne feras jamais cela que les enfants échouent. Comment t'examiner sa capacité? Comment tes examens sont toujours très compliqués comme ça? Jury est décidé. La jury avait décidé. Non, il faut libérer les étudiants. Oh non, tu vas délibérer tous les étudiants. Discussion à la jury. Discussion à la jury. Va conclure ma soukha. Et la conclusion de cette réunion? Nous donnons à tous les étudiants 12 sur 20. Nous donnons à tous les étudiants 12 sur 20. Nakiala, 12 sur 20. Même Kala qui n'a pas donné de réponse de la première à la dernière question, 12 sur 20. Je l'ai dit, vous voyez maintenant. Moi j'étais fidèle en train de prier. Il a échoué. Et je n'ai pas échoué. La vie ensemble me prévient ça. Dans la vie de Dieu, il y a des épreuves. Attends ça, ma classe est prête ça. Même dans la classe, il y a des épreuves. Partout, partout, l'ennemi a sa vie. L'ennemi se trouve là. Donc, fais de l'éternel tes délices. Amen. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Soyez en valeur. Comment on a été énormément en valeur? Prends vraiment Dieu avec considération. Il ne faut pas voir qu'une chose dépasse la valeur de Dieu. Donc, dans tout point, Yoki Tati Kanzamba Toura. Toi, abaisse-toi et laisse Dieu s'élever. Ça m'a dit la macasse. Cela est très important. Qui Tati Kanzamba Toura. Diminue devant Dieu et que lui s'élève. Et attends-moi comment on a vraiment que Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Et au même moment, tu verras que Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Et ça m'a dit la macasse. Cela est très important parce que ça va tellement mener. Car Dieu est tellement grand. Nous l'avons dit en même temps dans la sixième des humanités. De la même manière, quand j'étais la même chose au sixième des humanités, préfet dans la Guinée, le préfet dont nous avions, il y a un professeur qui va trouver le résultat des examens d'État avant que nous comptons ça. Lui donner les résultats des examens d'État avant que vous n'entrez dans la salle d'examen. Le président de la République l'attend en Yazaï. Parce qu'en fait, époque-là, il était l'ami, plutôt le cousin du président. Yo, besoin 70%. Toi, tu es au minimum. Toi. Yo, besoin 54%. Donc, à 64%. Il est en train de décider. Là, lui, c'est comme si on commis à l'air. Moi, je lui dis que, en tout cas, avec cette façon d'agir, c'est comme si tu es devenu Dieu. Nakoya, tu es en train de faire ça. Je ne viendrai pas quand toi tu vas donner des points. Mais tu verras si tu vas réussir. Il m'a promis que tu verras si tu vas réussir. Oui, mais ça me fait tout mon agaza. Tu sais comment élever toujours Dieu. Abandé, mon père, ça va nous apprendre. Là, commence à donner des points. Il y a à peu près 186 élèves. Vous êtes à peu près 186 élèves. La commune a comme moi, Kiara. Il est arrivé à mon nom. À la bâtie à Koyate. Il avait dit que c'est Dieu qui donne des diplômes. Il avait dit que c'est Dieu qui donne des diplômes. Il a dit qu'il y a un problème qui est le Lucas dans deux jours. Il a donné l'ordre à mes collègues pour aller me chercher dans ce jour qui a été. S'il ne vient pas, arrêté le diplôme. C'est qui a la va arrêter le diplôme. Frère, on a envoyé un frère, un collègue, un ami. Il a connaissé qui nous tournait à la préfet. Il avait loué son préfet. Et soit qui monte malangaï. Ça m'avait fait vraiment dans le cœur. Pour le bâti qui a zoppé sa va diplôme, ce qui est au boy ou ya. Parce qu'il avait dit que le prophète donne des diplômes. Et toi, si tu vas devenir vraiment, tu vas rater les diplômes. Son nom c'était Dombe. Je lui ai dit va lui dire, je ne viendrai pas. Parce qu'il est comme semblable à Dieu. Moi, j'aurai le diplôme. Mais mon ami, il a insisté beaucoup.
En insistant, il m'a dit que non, ce n'est pas ce que je veux, c'est le préfet là-bas. J'ai senti très mal dans le cœur. Et Dieu m'a dit à ce moment-là, tu vois comment est-ce qu'il a dérangé ton cœur. Directement, il a raté son diplôme. Ce frère est parti comme Dieu me l'avait dit. Il n'avait pas réussi. Et tant que petit sale, lorsque nous sommes entrés dans la salle, avant la yata la zoya koué, n'a kouti ma préfet imanda. Maintenant il explique la salle. Il expliquait comment, avant que je ne sois ici, j'ai retrouvé les préfets dehors. Comment la voiture, et même notre préfet avec sa voiture. Il m'a la zoya mais qui a la mienne. Il m'a fait en train de venir, il m'a appelé, qui a la vienne. Il s'est pas dit qu'il n'y a pas préfet, nous sommes imanda. Cet élève, il a dit que Dieu donne le diplôme. Regardez-moi cet élève qui a dit que c'est Dieu qui donne le diplôme. Ma préfet, je suis dans la gloire. Vas-y. Oui, le préfet qui est dans son moquet de moi. Le chat a pris la tête comme ça. Le préfet a tout dit. Le préfet m'a posé la question. Mais il ne fallait pas où il y a pour ça l'examen de Tevaroti Kalanzamba, il y a pour ça là. Mais il fallait aussi que tu laisses de venir présenter l'examen d'état par un homme. Pour parce que jusqu'aujourd'hui,
kosala. Dieu continue à agir. Il faut kosala la Nzambe. Il faut s'attaquer à yango ke zanga za na ngambo na nga. Il faut se dire toujours que Dieu est de mon côté. Yoka kango. Sans cela quoi? Soit le problème. Quel que soit le problème, l'oba asa na ngambo na nga. Parle toujours avec conviction que Dieu est de mon côté. Cette situation va changer. Car Dieu est de mon côté. Il faut les confesser ainsi, ne doute pas. Il faut la matinée. Il faudrait dans toi que tu sois ainsi. Crois disant que Dieu est de ton côté. Et ça très important. Ma cambo, ça va histoire. C'est très important, ces choses qui donnent l'impression, ce ne sont mais pas c'est histoire. La vie. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Azo agir, azo continuer pour agir. Il agit et il continue à agir. Mais ça, la intimité dans un même ma casse. Et très seulement l'intimité avec Dieu. Sacrifier ma cambounaïo, pèse place dans un même. Sacrifie tes occupations et donne la place à Dieu. Dis-moi qu'on perd. Accepte de perdre ce que Dieu fait. Alors, assieds-toi comme dans les prières. La jeûne multipliée. Avec des jeûnes multipliés. Ma prière. Avec des prières et donc. Caractère de mon sauté, on a mandé qu'on conda. Il ne faut pas se regarder dans le miroir où je commence à m'écrire. Non. Sois là. Traite durement ton corps. Traite durement ton corps. Amen. Et l'eau, on est contre ma carte, c'est ma casse. Cette chose-là rentre. Révolté. Il faut que je me révolte. Situation, il faut changer. Et que ma situation change. Parce que Dieu est avec moi. Amen. Il faut la fanda. Maman, on menace. Il faut que je m'écris, je m'en gêne vraiment. Ma cambo est changé. Et que ces choses changent. Dieu le verra. Amen. Quand Dieu a commandé la carte, nous avons aussi sacrifié. Quand Dieu te rend, toi, l'esprit des sacrifices, on dit qu'on peut être maman, nous avons aussi au monde. Tu acceptes de perdre certaines choses dont tu crois. Tinkali Mambolo Mona, c'est pareil. Tu restes en train de se prosterner devant lui. Akoya au secours. Il viendra à ton secours. Yenda Koyako Terimisayo. C'est Dieu qui viendra te relever. Koyako, nos pinzoli. Il viendra te consoler. Zambon Tosale la Kasa Nabomoy. Et Dieu dont nous servons à la vie. Tosale la Kasa, Dieu qui est vivant. Nous servons un Dieu vivant. C'est pas comme les gens du monde de Dieu. Les autres, leurs yeux se trouvent dans des tombeaux. Notre Dieu a bénissé le tombeau vide. Notre Dieu. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant entre les morts? Si vous le cherchez là-bas, il vous dira que. Il y a quelque part qui est écrit que pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant entre les morts? A dit qu'un tombeau vide. Il a laissé le tombeau vide. La mort est vide. La mort dominait sa personne. Qui est à sa vainqueur. Il est vainqueur de la mort. Je retournis moi la mort à mon émission. Oui. Mon log il m'envoie à la calonga. Si tu poses à la question, à la main plutôt la question est de répondre que oui, il y a un vainqueur qui m'a vaincu. C'est Jésus-Christ. Amen. Jésus a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu des maladies. Amen. Alors, on a un problème, il a vaincu toute situation. Il a vaincu la croix, il a vaincu. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Évidemment. Et donc, on t'a dit rien, il n'a laissé. Un problème, il y a eu. Mais problème, il le tient. Appelle ça pour solution. Il lui a attribué des solutions. Et non, le regard fixé sur Jésus. Ton frère dans ma soucité. Qu'on ne soit pas avec des soucis. Et ça, les moutons, ils sont les bananes. Il n'y a aucune chose que pour laquelle Jésus s'est fatigué. Il a tout accompli. Évidemment, amen. Il faut croire qu'il est comme la zone. Il faut croire que la situation est dangereuse. Le Seigneur Jésus a donc. Le Seigneur Jésus l'avait vaincu. Amen. Crois seulement ainsi. Salama pour ça, il faut forcer des yakofanda pour la consolation et la zambé. Mettre à
j'insiste. Et le courant les a dans la carte. Que la chose là soit à toi. Vous allez dans la prière pour bisous te convoquer. Dans la prière à un jour. On est obligé à prier. Il faut pas que seulement quand l'Église organise une prière de un jour et là tu termines. Mais il y a encore aussi. Mais toi-même individuellement. Et le courant les a dans la carte. La chose là, ça doit être à toi. Zambé avait dit ça quand même. Dieu t'avertit. Ayez ma bitumboza la gana. Il connaît les combats dont tu possèdes. Avant qu'il commande quel problème est sur ya. Il peut voir un problème en train de venir. A kati pongi na yo na butu. T'interrompre le sommet par ta vie. Mais à ça y a un forme, mais quand même pour ça, on va négocier soulagé. Mais fais en sorte comme si tu as besoin d'aller se soulager. Au béni la pongi. Et tu te fais. Mais tu peux vraiment te soulager. On m'en a qu'à mon pamba. Ne vois pas toute action pendant la nuit inutile. Comment on n'a pas maté? Ne vois pas cela la nuit. Le Seigneur est cause à la somme à la prière. Dieu peut être là quand on t'appelle à la prière. Mais à l'équerre, il n'en là à prier pour ce qu'il est possible soulager. Mais il part par un chemin là où il te réveille comme si tu avais soif. Les amis plutôt d'aller se soulager. C'est sûr. Dieu. Amen. Les chrétiens ont dit qu'ils n'aiment pas le sommeil. Une écriture dit de ne pas aimer le sommeil. La Proverbe 23. La Proverbe chapitre 23. La pauvreté te surprendra. Et la pauvreté te surprendra. Et qu'il y a comme un rôdeur. Elle viendra comme un rôdeur. Bah, on présente le sommeil maintenant comme la mort. On présente le sommeil comme la mort. Comme le diable. Comme le diable. Amen. Quand on a chemé à. C'est toujours là. Dans les principes, non, il faut dormir au moins 8 heures du temps selon les médecins. Ça va, même la santé des bras bien comme ça dans la chair. Mais, t'as l'air de vous aller tourmenter dans ma pensée à ma vie. Regarde maintenant comment tu seras troublé avec des pensées impures. Mais il va là dans ma maison, hé, on peut mis en terre. Mais, hé, on peut mis en terre. Tu es maintenant soufflu. Regarde, là, c'est un peu plus de temps. Et là, tu dis, je dors trop, c'est un peu plus de temps. Tu sens très bien un homme évolué qui dort beaucoup. Il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier dans les choses de Dieu. Amen. Non, on paye les prix. Dans les choses de Dieu, il faut payer les prix. Il faut vivre dans le monde capable. Il faut que toute ta vie, tu te donnes. Amen. Et Dieu te fera des grandes choses. Dieu te bénisse. Amen. Et que la bénédiction des Anayos. Amen. Il faut vraiment avoir l'intimité dans ta main. Il faut vraiment que tu cherches l'intimité avec Dieu. Koyakate, oyaka, ozonga, kaka. Oyaka, ozonga, kaka. Moya. Il faut pas avoir des désirs là de faire des va-et-vient. Refuse ça. Le banga, fanama, osorola, kaka, zambé, naka. Dis-toi que moi je vais mener converser avec mon Dieu. Attends, nous sommes dans la vie, la famille, 3 jours la prière. Un jour, la prière. Il a combien de choses à faire, ça va quand même, on a pris les frères. D'autres moments, je vais gêner 1 jour, 2 jours, 3 jours dans la prière. Bien aimé, il faut désirer ça. Et ça va bien. Ça fait du bien. Au moins, on a comment dire pour s'approcher même. Et tu verras la manière dont Dieu va s'approcher. Et comment on posséder l'héritage à ma promesse. Et comment tu posséderas l'héritage de tes promesses. Il y a tant de promesses qui sont concernées. Il y a beaucoup de promesses qui te concernent. Mais il faut hériter, amour. Maintenant, il faut les hériter. Donc, au compte à la carte, que tu rentres dans la promesse. Il y a d'autres promesses dont tu avais prévues pour toi sous le soleil. Il faut que tu les vives. Mais parfois, pas d'Alisaïo n'abandonne. Parfois, il te les a déjà montrés dans son pays. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Tantôt balali, zamba dans les songes. Quand les gens s'endorment, Dieu parle dans les songes. Il vit meilleur. Il peut te présenter dans ton songe une meilleure vie. Ne pense pas que c'est à la facilité comme ça que tu auras cette vie-là. Aïe, c'est qui Joseph? Il avait dit à Joseph, tu régneras. Tu vas régner. Ma bête est libre, son autre qui est baboïno, la bande de Konayo, bako tekayo, avec tes ligas, il sera au Konayi. Il n'avait jamais dit à Joseph que tu vois, tu vas souffrir, tes frères vont te haïr jusqu'à te vendre, mais il lui a dit simplement,
tu le diras. Attends, si il croit, il lui fait voir la gloire. Les chemins à l'amour. Mais les moyens. À mon bien. Dieu a lâché. Amen. Il y avait des disons. Dieu lui a dit c'est bon. Dans mon qui est le soleil, la lune, la 11 étoiles. Et vous avez dit, Dieu vit le soleil, la lune et les étoiles qui s'inclinent devant moi. Ça va bien, c'est rien. Dieu lui a montré les rêves. Mais bon, comment hein? Mais pour qu'il a vu maintenant là-bas. Il faut pas y aller là-bas. Il faut qu'ils soient haïs, ses frères. Il faut pas qu'ils soient haïs. Il faut qu'ils soient même vendus par ses propres frères. Il faut pas que le conseiller puisse m'accambou et n'a pas Potiphar. Il faut qu'on aille mentir contre lui dans la maison de Potiphar. Avant la prison. Il ne rentre même dans la prison. C'est de la prison qu'il y a un bazo qui se met un message après ce qui est là. C'est là dans la prison, dans la souffrance, que Dieu accomplit la mission qui devait venir longtemps. Dieu peut te dire que Abokissi. Dieu peut te dire qu'il a prévu pour toi afin que tu puisses avoir. Est-ce que tu as laissé au chemin? Est-ce qu'il t'a montré vraiment le chemin? Pourquoi on attend toi? Pour que tu atteignes la vision là. C'est pour moi. Prie. Voilà pourquoi tu dois prier. Au moment où on a aux amis, nous voyons pas quelque part. Aux envoyés, nous voyons pas quelque part. Aux envoyés, nous voyons pas quelque part. Aux envoyés, nous voyons pas quelque part. Tu chantes, par exemple, si tu as les dons de chanter. Tu es en train de chanter, tu te vois dans une vision en train de chanter, les gens tombent, tu penses que pour arriver là-bas c'est facile. Tramonté. Ou bien tu es prédicateur. Tu vois un grand campagne d'évangélisation. Il y a beaucoup de choses qui se font. Est-ce qu'il y a un chemin qui nous combattait pour moi? Parce que le Seigneur t'a quand même montré le chemin par lequel tu dois passer pour arriver là. C'est pourquoi prie. Voilà pourquoi il est nécessaire que tu pries. Quand tu vas prier, amen. Oko, les kabaïtabs n'ont pas été avant de posséder promesses. Quand tu pries, tu vas transcender toutes les étapes avant d'arriver à la promesse. T'as mon confort dans une vie à pureté. Lorsque tu vivras une vie de sainteté, la sanctification, sanctification, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, Oko, hérite cette promesse. C'est alors que tu hériteras cette promesse. C'est ça l'importance à prier. Amen. Que la victoire à siècle. C'est pour que tu vives la victoire dans ces siècles. Et aussi pour que tu aies la vie éternelle dans les siècles à venir. Et que tu rentres dans une victoire dans les siècles à venir. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans un texte, la Bible Apocalypse 12. Nous prenons notre texte d'Apocalypse chapitre 12. Nous allons partir à verset 7 et à verset 18. Nous prenons à partir du verset 7. Au verset 18. Nous autres combo na Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen. Et il guère dans le ciel. Et tous mes anges dans le colon. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et quand même la main, je vous m'aille pas pour dire ça dans la gorge. Et les dragons et ses anges combattirent. Dans la gorge, la main, mais ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Et la puissance est le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux.
ce que l'on dit, Makolo. Et vous qui habitez dans les cieux. Et nous, ma femme, qui a Makolo. Malheur à la terre et à la mer. Mawana, mon kili, peu moi, mon aimé. Car le diable est descendu vers vous. Mamba, des amours, à qui la panamino. Animé d'une colère. Wana, zanina, kere, mon aimé. Sachant qu'il a peur de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle firent donner à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu. Où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent et de sa bouche. Le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche. Et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fit irriter contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Et ils se tint sur le sable de la mer. Qui bénit cette lecture. Ah. Nous savons très bien qu'avec notre enseignement, nous y allons petit à petit par la grâce de Dieu. L'obi, le 3 novembre, pour Zouaki, Tango, le manin, les serpents a précipité. Hier, le 3 novembre, nous avions dit que quand les serpents, les manin, les diables, qui est précipité, il y a une voix, et Kangaki Nicolo, il y a une voix qui avait crié du le sali est arrivé. Que le salut est arrivé. Des torobaki qui va te bénir parce que la confusion n'a ni cambouana. Et nous avions dit que plusieurs éprouvent énorme confusion à ce niveau-là. Totalisaki boina réponse trop pessimiste. Et nous avions montré ceci dans notre réplique. Tobanaki d'abord que dans Adam a boyaki. Et nous avions fait voir d'abord la manière dont Adam était tombé. Adam a Oufaki n'a mouli. Que Adam était mort d'abord spirituellement par rapport à là. Et Adam a oufaki ben à Zoto. Ensuite, il est mort quant à la chair. Donc, ce qui est ici, que vous avez Adam. Donc, s'il y aura une rédaction pour Adam, c'est l'un des avantages de la comme Dieu prévoyait cela, il faut si voilà 4 mouli. Il faut que Dieu commence par sauver l'intérieur pour la paix. Puis le corps. Il y a un moment où il a écrit un témoignage. Voilà pourquoi je vous avais donné un témoignage. Tant que Moïse a donné des réponses au peuple, quand Moïse partait pour libérer le peuple, Zambé a retiré le mec à l'eau la sabbatou. Dieu lui avait ôté la chaussure. Pour la portée de sa guerre. Pour montrer tout simplement que il était là pour racheter. Que ça, ce n'est pas Moïse qui va racheter. Et tout à l'heure aussi dans Josué 5. Et on avait vu également dans Josué chapitre 5. Tout le monde qui le Seigneur le légué à Imaki comme chef de l'armée du Seigneur. Nous avons vu comment le Seigneur était apparu à Josué comme étant le chef de l'armée du Seigneur. Et puis il a dit sur Josué. Et puis il a dit encore Josué. L'envoie encore sa part. Oh, t'as encore tes chaussures. Donc, ton moni, deux fois à l'envol ici, ma prophète Sapatou. Donc, nous avions remarqué deux fois que le Seigneur a fait enlever les chaussures des deux prophètes. Et les moines étaient
Ces signes-là montrent que, parce que Dieu a répété à Israël comme Adam, car Dieu répète Israël comme Adam, a bomba la kati deux rédemptions. Alors, en lui, il a caché deux rédemptions. Parce que dans l'homme, Moïse a pas d'autre ici, il y a eu de l'orachite. Parce que quand il a dit à Moïse d'ôter ses chaussures, c'était pour lui dire que toi, tu ne rachèteras pas ses peuples. Là, il faut voir Deutéronome 25. Là, tu prendras Deutéronome chapitre 25. Aux yeux à partir du verset 5e, tiens le verset 10e. Tu commences à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. On en est basé sur la loi sur les rachats. C'est là qu'on parle de la loi sur les rachats. Ceux qui manquent ou qui ont racheté, oui, qu'on racheté. Si quelqu'un ne peut pas racheter, on dit qu'il doit enlever sa chaussure. Qui sera attribué à celui qui a le monopole de racheter. Et le premier aussi dans Rite, chapitre 4. C'est là l'effet aussi mention dans Rite, chapitre 4. Parce que rachat les Arakinan en Koulutri à Boaz. Car les rachats étaient avec les. L'aîné de Boaz, il est dans la droit, il y a au somba rite, n'a pas bien, il y a des guanaïs et les mélèques. C'est celui-là qui avait la possibilité, étant aîné, de racheter rite, même tout le bien de son frère et les mélèques. Le poil en bouillaki, quand il avait refusé, des Boaz a des équipes anciens. C'est alors que Boaz avait fait appel aux anciens. Il y a Pessa et Sapa qui pouvaient racheter. Venez afin qu'il donne sa chaussure afin que Boaz rachète Riton. Celui qui possède la chaussure dans la situation de rachat, c'est celui-là qui doit racheter. Et ceux qui valent mais quand on lui ôte la chaussure, il ne pourra plus racheter. Jean-Baptiste, voilà pourquoi Jean-Baptiste avait dit dans Matthieu chapitre 3, Azalaki déjà avant là. Il avait dit que celui qui vient en répété avant moi. Nazar m'a coquité à Koufoua là, même si il n'y a sa patronne. Je n'ai même pas le pouvoir de d'ouvrir, de délier les lacets de ses chaussures. Les courroies de ses chaussures. Donc, Atali s'est dit clairement. Il avait montré clairement que la rédemption était entre les mains de Jésus. Et maintenant, ton temps pour la vie. Voilà pourquoi on avait pu y marcher. L'Okola Zambende à l'Okolisaki Moïse Sapato. Comme c'est Dieu qui avait dit à Moïse d'enlever ses chaussures, Moïse a été la mission Yakobinisa Israël Makolongul. Moïse alors était parti en mission pour délivrer Israël pieds nus. Sapato a dit qu'en les chaussures étaient restées au lieu de la rencontre avec Dieu. Voilà pour le paquet. Dieu a fait la rédemption. Pour dire simplement que c'est Dieu qui a la rédemption. Josué aussi. Également Josué. Azok est une conquête. En partant dans la conquête, a dit qu'il s'en va. Il a laissé la chaussure. Mais papa, nous avons dit qu'il s'en va dans ma boucle et à Yahweh Naza. Et tous les Josué et Moïse ont laissé leurs chaussures à l'éternel lui-même. Dans la réalité, nous en comprenons. Et c'est là dans la réalité, nous comprenons. Rédemption est là. La rédemption de l'âme, c'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui l'a fait. Rédemption encore. Même la rédemption du corps, c'est toujours Jésus. C'est toujours Jésus qui l'a fait. Il y a moins d'un personne qui l'écriture. Voilà pourquoi on avait donné les écritures. Pour Talisa qui, on avait fait montrer que tout le monde qui parle, on entend où il y a ma pierre. Les gens qui avaient cru à la parole au temps des pierres, ils étaient sauvés. Ils étaient sauvés. Basalek ont participé à l'aspersion de Christ. Et ainsi participant à l'aspersion de Christ du sang. Mais pourtant, qu'il a dit dans 1 Pierre 1, verset 4. Et on avait vu avec vous dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 4. Azo exhorté par mon lion sort, Basal a sauvé. Pierre est en train d'exhorter tous ceux qui étaient sauvés. Qui vous a gardé par la foi. Que vous êtes gardé par la foi. Vous osez là le saillot et l'Israël. Est en train d'attendre les salut qui doit être manifesté. Et puis nous soit qui Romains 8. Puis nous avions saisi Romains chapitre 8, au verset 24. Au verset 24, pour la Romains
sauvés en espérance. Nous sommes sauvés en réalité dans l'espérance. Nous sommes sauvés par la foi. C'est-à-dire, nous sommes sauvés par la foi. Mais les salis, Ezoya. Plutôt, il y a encore des salis qui viennent. Et salis, Ezoya, Ezali, Tosoaki, Ephésiens 1. Le salut qui est en train de venir nous a permis de chercher Ephésiens chapitre 1. Totalement, verset 13 à verset 14. Au verset 13 à 14, comme on a dit. Et le livre, vous aussi. Qui dit que vous aussi. Donc, Bino Perisusu. Vous aussi. Nasimana Bino Koyoka Sakoya Malamu. Après avoir entendu la parole de l'évangile de la vérité. Sango Malamu Yasoro. L'évangile de la vérité. Nayango Tondimi. Par lequel vous avez cru. Et Tozoami Nandanga Yabolimo Sang. Et vous êtes, nous sommes scellés du sceau du Saint-Esprit. Et Tozoami, verset 14e Ephésiens 1. Et ainsi nous avons pris donc le verset 14e d'Ephésiens chapitre 1. Yango Nézo expliqué Moussala et Saint-Esprit. C'est ce qui explique le travail du Saint-Esprit. Malobi Yango Ezali Neti. Et l'embo oyo Ezali Kondi Isabiso Ketoko Sakola Nipula. La Bible dit que c'est ce qui est comme signe, comme un gage qui nous permettra d'avoir l'héritage futur. Gage Ezali garantie. Les gages c'est comme la garantie. Au moins, ils sont pas sur le planète. Tu vois, par exemple, quand tu sors de chez toi, et Oli, Ozon Kanda. Ah, excusez, quand tu cherches une maison, et Oli, Yoko Tananda, et tu veux rentrer dans une maison, bah, Oseko, Babekaka, garantie. Il y a ce qu'on demande comme garantie. Oli, Isama, Yoko Kota. Ce qui va te donner la confiance que tu es entré là. Babekaka, mon ami, France. On appelle ça en français, garantie. Garantie. Nous nous suivons très bien. Garantie. La garantie. Donc Saint-Esprit, Ezali. Oyo, Ezali dit garantie. Donc Ezali misayo que au commande à Zabé. Le Saint-Esprit, c'est comme la garantie ou les gages qui te poussent à croire que tu verras Dieu. Saint-Esprit, donc, va pas la carte à tout terre. Le Saint-Esprit ne sort jamais de la personne. Voilà ma terre et ma belle à tout le monde. Vous savez, là c'est une mauvaise prédication des hérésies qui disent que non, tu as fait de cet esprit à un moment donné, il est sorti de toi. C'est dans la bâton de prière, surtout dans les églises de réveil. Difficulté m'a cassé ça, maman. Ces églises là ont des difficultés à un niveau terrible. Donc maman compagnon sont les empêchés. Donc tous ces rassemblements là, ça veut dire seulement péché. Ils ont des choses d'apparence. Dernièrement, j'avais vu quelqu'un qui voulait transmettre son manteau comme onction à un autre prédicateur. Bible dit que ce peuple qui ne connaît pas la loi. La Bible dit que ce peuple qui ne connaît pas la loi. C'est un peuple maudit. Ah. Bah vous, ma frère, ça comme ça. Les gens là qui sont assis là très sérieux, concentrés, comme si c'était une chose de Dieu. T'es là comme on est Léopold. Ces prédicateurs là, son nom c'est Léopold. Ils ont transmettre l'onction et pas Francis. Ils transmettaient son onction par notre prophète Francis. Là ce sont des aventures. Là ce sont des aventures. Alors, ça va, des aventures. Ils ne font que des petits jets dans les bas. Parce que ça là, pour moi, il y a pas tout, mais il y a loin à mettre. Ils ne feront bien devant les gens qui ne connaissent pas la voix de Dieu. Et c'est ça la confusion à terre. Parce que nous considérons que Dieu est un monde. C'est ça la confusion qui se trouve sur la terre où les gens considèrent un faux prédicateur comme étant prédicateur. Le Saint-Esprit est un rôle. Le Saint-Esprit a un rôle. Il y a un gage. Des gages. Pour la rédemption encore la mission. De la garantie pour la rédemption de notre corps. Et qui totalement est un verset. 14e Ephésiens 1. Comme nous l'avons vu au verset 14 d'Ephésiens chapitre 1. Et nous complétons Ephésiens 4 verset 30. Et nous avions complété avec Ephésiens chapitre 4 verset 30. Et le dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Qui dit de ne pas attrister?
tu as Saint-Esprit, si quelqu'un a le Saint-Esprit et que a soumouki et qu'il a péché, le Saint-Esprit ne sera pas attristé, mais il est plutôt attristé à cause se mettre dans l'œuvre de pour accompagner. Il ne se mettra pas à aider la personne afin de l'accompagner, mais il ne sort pas de la personne. Qui a ramené la repentance? Jusqu'à ce qu'il va amener la personne qui est dans le péché à la repentance. Et maintenant, on commence en action. C'est alors qu'il sera en action après la repentance de la personne. Et le Saint-Esprit toujours dans la personne. Et ça va être baptisé du Saint-Esprit. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Un rempli du Saint-Esprit. Et le remplissement du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit, ça ne va pas embalamer encore. Le baptême du Saint-Esprit ne se fait qu'une seule fois dans la vie de quelqu'un. Mais maintenant, il y a un remplissage de l'Esprit. Maintenant, il y a aussi le remplissage du Saint-Esprit. Par rapport à un service. Cela est par rapport à un service. Mon Dieu a posé dans le Saint-Esprit. Un prédicateur peut avoir le Saint-Esprit. Mais il vient faire le travail. Mais le Saint-Esprit a son action. Mais le Saint-Esprit n'est pas en action. Donc, à sa rempli. Le prédicateur n'est pas rempli. Vous avez un moment? Est-ce que tu suis très bien? Donc, ma chambre, vous avez baptisé du Saint-Esprit. Un chantre peut être baptisé du Saint-Esprit. Mais il faut avoir la rempli pour cette mission-là. Amen. Mais il faut être rempli maintenant pour cette mission de chantre. Mais si on va faire rempli, mais s'il n'est pas rempli, la force à délivrance est dans la catarame. Il chantera uniquement dans la forme, les techniques, les choses, tout ça, mais la force spirituelle ne viendra pas. Remplissage. Et remplissage de cette plénitude, il y a un service. Donc, la plénitude pour un service. Et qui est la canzambe, il y a la salle à la Amen. Laisse la place à Dieu de travailler. Et à mon moment, il faut saisir le cœur. Et c'est pourquoi vous verrez que ce que fera la personne va toucher les gens. Et qu'on délivre les âmes. Et même va parvenir à délivrer les âmes. Et qu'on a les péchés dans la Kadiaba. Va même monter les péchés dans les gens. C'est comme les apôtres. Du Saint-Esprit. Les apôtres étaient aussi baptisés du Saint-Esprit. Mais ça, pour persécution, il va lui même dans Acte 4, Tacba, Beta, qui Pierre, dans Jean-Philippe. Quand la persécution avait commencé, même dans Acte chapitre 4, et qu'on avait flagellé Pierre et même Jean, Tacba, Zoki, Makoutani, Nabande, Bonamango, quand ils sont de retour, ils se sont rencontrés avec le Frère. Ils ont demandé si c'est à Dieu dans leur prière. Ma pharisien, ma péquissée, ma go, ma terre, ma combo na Jésus. Parce que le pharisien leur avait interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ma go, ma kei ko sabe. Maintenant, elles sont parties prier. Alors, dit Seigneur, donne-nous de la silence. Amen. Afin que ton annonce la parole. Afin que nous annoncions la parole. Donc, on prêche la parole dans la silence. Alors, Dieu, les lieux où ils la Bible dit que les lieux où ils étaient en train de la terre trembla. Amen. Et Dieu a rempli le baron de l'esprit. Amen. Dieu les avait remplis du Saint-Esprit. Pour bâtir. Pour qu'ils prêchent. Chapitre 2. Mais par rapport à la mission à ma place, par rapport à cette mission-là, à ce moment, quand la persécution était maquillée, quand il y avait le soulèvement d'une persécution, dans la circonstance, il peut avoir peur. C'est alors qu'ils ont fait recours à Dieu afin qu'il leur accorde de l'assurance. Dieu a été rempli de Bambo de l'esprit pour le travail. Dieu est venu leur remplir. De l'esprit pour le travail. C'est comme ça le service de Dieu, Salima. C'est comme ça que se trouve le service de Dieu. C'est pourquoi, Moutou. Voilà pourquoi, maintenant. Quand j'ai la prédication, je ne peux pas humaniser ou m'habituer de la chair. La chair, c'est la place de Dieu. Il faut aller
dépense à même. Il faut que j'implore à Dieu. Après ça, qu'il me donne ses potentialités. Oh, il faut consoler les gens. Qu'il me donne les messages capables à consoler les cœurs des gens. Oh, il faut délivrer les messages capables à délivrer les gens. C'est ça le chemin de Dieu. Ah. Là, on peut se faire remplir pour le travail. Là, tu demanderas Dieu afin de te remplir pour le travail. Et là, le Bible pour la Zana, Ephésiens 4, verset 30. J'ai dit tout cela parce que je suis dans l'Ephésiens chapitre 4. Ne tristez pas le Saint-Esprit. Là, il est dit, n'attendez pas à tristez les Saint-Esprit. Mais le Bible est pesant et la qui bissot pour le jour de la rédemption. On dit que cela a été donné à nous pour le jour de la rédemption. On dit rédemption. Tu vois cette rédemption-là. Mais la Philippiens 3, verset 20 à 21. C'est pourquoi en Philippiens 3, le verset 20 à 21. Et le dit toujours, c'est le sauveur. Dit que nous attendons le sauveur. Oui, 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 transformer. Il y a humiliation. C'est lui qui changera notre corps d'humiliation. Pour appeler sa mission, nous les pouvoirs dominer ma communion par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le Saint-Esprit, oui, n'a jamais cessé et le Mike Azali l'enseignant. Dans Jean chapitre 16, le Saint-Esprit est considéré comme étant un enseignant. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Quelqu'un ne dira pas que j'ai le Saint-Esprit. Mais écriture, les appelants, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Ah, cette écriture-là, c'est poussé toujours par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Mais le Saint-Esprit, maintenant, le Saint-Esprit qui était dans les portes, dit dans les écritures. La femme n'était pas prêchée. Que la femme n'était pas prêchée. Mais le Saint-Esprit, les femmes de... Non, il va se faire.
Tanga
aucun d'eux ne fera de vous. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. Ce sont les esprits qui les rassemblera. C'est un impératif, c'est un ordre. Donc, c'est un commandement. Or, et donc ça commandement. Consultez. Là, on t'exige de dire. Sauf consulter tes soumouki. Donc, si tu ne veux pas, tu ne consultes pas, tu pêches. Ah, parce que c'est un ordre. Amen. C'est un impératif. Donc, toute chose de la vie. Consulte. Regarde dans la loi de Dieu. Balobie, on dit, dans les choses dont Dieu a dit qui sont dans les Écritures, tout s'accomplira dans leur entièreté. À mon côté, même pas une chose de mon côté. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui rassemble les choses qui sont dans les Écritures. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Même ma promesse de la Bible, ma prophète m'a annoncé. Même les promesses dont on fait les promesses. Romains 9, verset 28, Jérémie. Romains chapitre 9, verset 27, 10. 28. Le verset 28. J'ai mis ça au nom de Jésus-Christ. Ah. Car le Seigneur, pas baptême, colo, exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Donc ça veut dire quand vous exécutez pleinement, donc quand tu as accompli pleinement la chose, donc il ne la fera pas à moitié, en partie. Daniel, quand tu regardes tout ce qu'il a dit dans Esaïe, Abba, Jérémie, et annoncé pour que cela s'accomplisse, et ces choses-là s'accompliront dans leur entièreté. Et puis d'une manière prompte, sur toute la terre que lui-même a prévue. C'est Romains 9, verset 28. Ah. Dieu est fidèle. Amen. À ma promesse. De toutes ses promesses. Tout ce qu'il a classé. Il les accomplit dans leur parfait, accomplissement. Voilà pourquoi on a montré. L'enlèvement du fils. Et ça salue. C'est le salut. Amen. Et ça rédemption du corps. C'est la rédemption du corps. Donc, le corps a prolongé. Quand nous avons vaincu. Donc, on a dit promesse dans la Romains 16, verset 20. On a dit cette promesse dans Romains chapitre 16, verset 20. Et le dit bientôt. Il dit que bientôt. Dieu écrasera Satan sous vos pieds. Amen. Écraser Satan a des années, puis son petit corps donné de l'écrasement de Satan, c'est le fait que nous avons abandonné ces corps mortels et nous portons les corps de gloire. Il y a aussi un autre de la main. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes enlevés, ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin, la foi, il faut persévérer jusqu'à la fin dans la foi. Les diables ont précipité. Et les diables ont précipité. À ce que les colons dans la fin. Et il part maintenant s'attaquer à la femme. Parce que la femme a commis la position de la terre. Dans la femme a pris maintenant la position de la terre, elle est terrestre. Parce que l'Apocalypse 12, verset 1, Azara qui a dit colo. Parce que l'Apocalypse 12, verset 1, elle était au ciel. Mais tant que moi, Akéli a commis comme Yassé. Après le départ de l'enfant, elle a pris la position terrestre. Donc, tu y as dit que ça fait la Jérusalem d'en haut. Et nous savons bien. Il y a la Jérusalem d'en haut. Et ça s'appelle la Jérusalem d'en bas. Également aussi la Jérusalem d'en bas. Jérusalem d'en bas, et ça, Israël, on a ça en Proche-Orient. La
Jérusalem, là-bas, il s'agit d'Israël qui est au Proche-Orient. Oyoyo, et moi, à Jésus. Celle qui avait rejeté Jésus. Mais Zambé a conquisé lié que Akoyamba, trois prophètes. Et Dieu avait prévu à Israël de recevoir trois prophètes. Et deux prophètes des âmes, deux témoins d'Apocalypse 11. Les deux premiers prophètes, ce sont les deux prophètes d'Apocalypse 11. Et dernier prophète des âmes, pour le Seigneur Jésus-Christ. Le dernier prophète, c'est Jésus-Christ lui-même. Les trois jours, il y a Osée. Ce sont ceux-là qui représentent les trois jours de Osée chapitre. Et que Dieu te bénisse. Ah, et par la grâce de Dieu, on va commencer à partir petit à petit. On soit à point encore par la grâce de Dieu. Et tu prends toujours un point après notre parole. Et nous ne ferons que marcher de la manière dont le Seigneur va le connaître. Ça va toujours la silence et pas sa paix. Il faut que tu aies toujours de l'assurance de la paix. Le Seigneur pourra jeter. Ne te décourage pas. Parce que Dieu est de ton côté. Il est de ton côté. Lukaye a commitika au monaïe. Cherche-le, il se laissera voir à toi et tu le sauras. Et prends le temps de prière. Dis à Dieu de t'accorder la force afin que tu t'adonnes à lui. Une vie à l'ensemble dans la carte. La vie de la prière abonde en toi. Bolembouez à la musique là. Que les faiblesses et les découragements soient loin de toi. Ton sang les amène à Baza. Prions les dieux des dieux. Merci mon sauveur. Merci mon sauveur. Yote aux animaux, mon mini colo. C'est toi qui es bon. Nous sommes venus du sauveur, mon mini. Tu t'as fait du bien énormément. Au bâtiment du sauveur, au pessimisme, tu tiens à l'heure. Tu t'as gardé et tu t'as donné ta prédication.
fois glorifier Dieu de Dieu. Tous ceux qui s'y m'attendent par là. Nous te rendons gloire à toi. Aujourd'hui, on a une décision, Seigneur. C'est lui qui a pris la décision. Fais ma grâce à son passage sur ton terre. Donne-lui la force de ne plus retourner au suivi. Sanctifiez penser, Seigneur. Sanctifie ses pensées. Pessez ma grâce à Dieu comme au sang. Donne-lui la force de vivre la sainteté. C'est toi qui as béni, nous sommes tombés pour qu'on vienne faire. C'est toi notre force. Fais-la pour ta gloire. Na combo na Jésus. Les noms. Combo et coca et si connaissent.